Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Phoenix Point, épisode de 7 exactement. Nous allons continuer notre petite péripétie. Nous avons un nid pandorien à détruire après et nous avons ça qui va bientôt être à terme, indéfendable. Donc ça fait partie d'un DLC, on va devoir le faire. Donc c'est parti, on va avancer tout simplement. On a 600 de vivres, je voudrais garder les vivres pour... faire du commerce, honnêtement. Ou alors on peut prendre des gens. Ah, c'est vrai, on peut prendre des nouvelles personnes. Parce que je crois que bientôt nos bases... Phoenix Point. 14 000 centres d'entraînement. Oui, les gens vont commencer à pouvoir prendre des niveaux. Donc c'est vrai que avoir du personnel supplémentaire qui monte de niveau va vraiment aider. Donc ouais. Après, pour les recherches, on va faire l'équipement du disciple Danu. Ça va nous donner des nouvelles armures, en fait. Pas les armes, mais les armures. Donc ouais, on va faire ça, on va développer ça. Le Tiamat, on va le faire après, un peu plus tard. Et après, on va faire le reste. Donc oui, on pourrait prendre des gens. Là, il y a quoi, par exemple? Ça, c'est quoi? C'est un berserker. On a déjà un berserker. C'est quoi, ça? Berserker avec une mutation. Immunité contre l'étourdissement. Immunité des dégâts d'étourdissement. C'est intéressant. Capacité anti-blindage. Oui, il est déjà niveau 2 en fait. Oui, mais c'est 600 et quelques. Par contre, il n'est pas équipé. Ces gens-là en fait sont pas équipés. C'est ça qui est embêtant. Berserker sans rien. Là, on a quoi? Un tireur d'élite. Ça, c'est aussi un berserker. Berserker, berserker. Tireur d'élite. Pas très, très intéressant. En recrue, on a quoi, nous? On a une unité d'assaut avec fantassin. Ouh, ça, c'est bien, ça. Pistolet et voleur. Ah, pas mal, lui. J'ai envie de le prendre. Voilà, donc maintenant il est à Phoenix Point. Très bien. Très bien. On n'a pas vraiment l'équipement. Ah, quoique, on a l'équipement, hein, en fait. Ok, centre d'entraînement fini. On a l'équipement, ils nous ont donné des fusils d'assaut. Donc techniquement, on a l'équipement. Et boum. Voilà, très bien. Donc c'est... Qu'est-ce qu'on peut... On peut leur donner ça... On peut faire des échanges, très bien. Alors là, vous avez encore une unité d'assaut avec une tête blindée. Ce qui est sympa avec les modifications comme ça, on l'en fera après. C'est que ça vient directement avec des stats en fait. Genre là, il y a armure. Bon, après, il y a moins perception, furtivité, etc. etc. Mais 30 d'armure quand même. C'est pas mal. Très bien. Allez, vous le voir là-bas. Alors, un passé peu reluisant, site d'exploration. Un bâtiment fortifié exploré par nos agents s'avère être une grappe de serveurs abandonnés pour la plateforme du réseau social Plapper, qui a fait faillite au milieu des années 2020. Des millions de messages courts sont archivés ici, documentant en détail la vie des classes moyennes d'avant-guerre. Ces informations méritent-elles d'être préservées ou devrions-nous juste prendre des pièces de rechange dont nous avons besoin? Prendre ce qu'il nous faut. Technologie 160. Très bien. On va, je pense, faire ce site. Et après, on va potentiellement aller combattre. Je pense. On va devoir se reposer un peu quand même, juste au cas où. Alors, la carte de la Terre. Kishasu. L'anagnoste du refuge, ancien professeur de géographie pour une université prestigieuse de l'ancien monde, propose de partager des informations avec nos agents en échange de ressources pour ses études sacrées. Échanger des informations. Alors, le monde change rapidement, dit l'anagnoste, et comprendre la nouvelle forme qu'il prend sera essentiel à la survie et à l'évolution de l'humanité. Une évolution à laquelle le projet Phoenix pourrait choisir de prendre part s'il le souhaite.
Donc on a eu 3 lieux de scavenge et 3 disciples d'Anuaven. Ok, cool. Donc on a 3 lieux. Très bien. Et on a donc ça. Pas mal. On a quoi d'autre aussi? Ah, on a plein de lieux. Ça, c'est cool. Là, on a des caisses, 2 caisses. Ouais, pas grand chose en fait, ou alors c'est moi qui suis aveugle. Ah là, oui, là, ok. Donc ouais, c'est des caisses et fuir ça. Il nous faut vraiment un véhicule. Il faudrait un véhicule et le Tiamat honnêtement, comme ça on fait 5 personnes et un véhicule. Et là honnêtement on passera un bon moment. On peut aller là vu qu'on n'a pas besoin de passer des heures à voir ce que c'est. Kurda, on prétend que le refuge Kurda est le lieu de naissance de l'apôtre des incroyants. Un personnage similaire à un missionnaire envoyé pour assujettir les refuges étrangers à Anu. Bien qu'il n'en existe aucune preuve concrète pour les textes canoniques, l'exarque Rour décide de construire une gigantesque statue en l'honneur de l'apôtre. Il ne manque que les bons matériaux pour l'ériger. L'exarque Rour est prêt à passer un accord attractif si nous pouvons l'aider. C'est une offre unique. Échanger des matériaux contre de la nourriture, échanger des matériaux contre de la technologie. Donner des matériaux. Des matériaux contre de la nourriture. Des matériaux contre de la technologie. La technologie, c'est difficile à avoir et ça coûte cher. Technologie 115. Ouais, ça vaut le coup en fait. Exarchor est enchanté par notre accord permettant que le projet Phoenix recevra tout le mérite qui lui est dû sur la plaque qui sera fixée au piédestal de la statue. Anu a aimé et le refuge a aimé. Oh. Blessed are those who seek transformation. But to seek alone is not enough. Neither is to speak. For these were the ways of the false gods of old, who drowned in the flood that Anu commanded. To be initiated further into the sacred teachings of the Exalted, you must show that you will act on behalf of humanity. Not merely the humanity that was, but the humanity that will be. Cool. There are some who still cling to the sins of the old world. Even now they are consumed by greed. Thinking that if they hoard enough, they will survive the coming changes. These brigands have attacked many of our havens, and those of others also. Let the judgment of the dead god fall upon them. Ok, donc il nous donne une deuxième initiation. Donc c'est bien, parce qu'en fait on commence à être vraiment des potes. Alors nous allons y réfléchir, nous allons chasser ces païens, donc faut peut-être pas exagérer, on va pas dire qu'on est à 100% avec eux, mais on va y réfléchir. Very well. But do not think about it for too long. Judgment approaches. Après je sais pas si faire l'autre réponse fait vraiment une chose différente. Mais bon, on va rester comme ça. Donc deuxième initiation, ça se trouve ici. Alors, venez à bout d'un groupe de pillards qui attaquent les refuges de cette région. Donc voilà, c'est pas très très compliqué. Ok, on a plein de choses ici, sympa. Du coup, on a ça qui est 3 jours. On peut aller se reposer ici, je crois. Station médicale qui fonctionne et le quartier qui fonctionne. On va aller faire ça. Juste passer quelques heures. Ok, donc nous avons les équipements d'Anu. This is a transmission to the world. We are the pure, and our time hiding in the shadows is over. Squads of our chosen warriors are already combing the world in search of resources and technology that will help us defeat the Pandoran threat. A word of warning. Don't get in our way. We will show no mercy. We will allow no bargaining. We are the pure. Ouais.
Ils vont foutre la merde dans le monde maintenant. L'indéfendable, c'est les purs, hein, on est d'accord. Hein, de toute façon, j'ai pas... Est-ce qu'ils peuvent nous mettre des... Non, ils nous mettent pas plus de description que ça. Alors, fabrication. Donc maintenant, on a les armures. Voilà. Les armures coûtent un tout petit peu moins cher à faire. Genre, je crois, genre 95 de corps. Fais voir un peu. Oui, 120, 110, 95. Ouais. Et elles sont plus ou moins relativement pareilles. Genre, le corps, c'est 20. Plus 1 en vitesse et poids 2. Et là, c'est juste plus 3 en poids, en fait. Donc, c'est plus léger et c'est mieux. Donc, le corps est mieux. Et après, je crois que ouais, les autres, c'est armure 18 au lieu de 20. Par contre, il y a de la perception et il y a de la vitesse. Alors que le casque d'Odin et Jambière... Bon, Jambière, il y a vitesse plus 1, c'est tout. Et là, il y a vitesse plus 2. Donc, ouais. Donc, cette armure de base est mieux. Reste mieux. Et après, qu'est-ce qu'on a débloqué d'autre ? Fusil à pompe, c'est ça ? Le Iconoclaste, hein, fusil à pompe des disciples d'Anu. Il est très bon. Honnêtement, il est très très bon. On peut en faire un aussi. On va faire l'acolyte. On va faire ça. Je dirais bien de faire un fusil à pompe aussi. On verra. On verra, on verra. Je pense qu'on est bon. On va pouvoir y aller. Allez. Station médicale construite. Parfait. Ouais, on y va. On va faire ça. On a aussi diplomatie. Saboter le refuge de Jericho. Synédrion. Et ça, c'est la mission qui nous intéresse. Ok, 3 jours. C'est parfait. Attends, je vais juste regarder si on n'a pas des trucs en plus. Non. Non. C'est parti, niveau de menace moyen. Localiser l'ennemi et sentinelle. Donc c'est la même mission qu'on a faite, c'est le même système. Sauf que ça va être un peu plus difficile cette fois. Alors, on a... Je dirais pas non pour la mitrailleuse Gauss. Wow, honnêtement, c'est du pareil au même. Enfin, dans ce type de mission, c'est du pareil au même. C'est pas très très important de changer. Là, on est bon. On va lui donner un soin au sniper. On va faire comme ça. Voilà. Il y a toujours lui qui a pas de... Et qu'il n'y a pas d'équipement, mais bon, on est un peu obligé de faire avec. Donc ouais, c'est parti, on y va. Bah, il n'y a rien d'autre à ajouter. On va faire cette mission, on va voir si ça se passe bien. En théorie, ça devrait bien se passer quand même, c'est pas trop trop difficile. Il faut trouver les arbres en fait assez vite. Et après, on ira se soigner, si besoin, pendant quelques jours, enfin quelques heures. Et après, on fera la mission de quête là, du DLC. Alors, on a des tritons, ça c'est un triton mêlé, ça c'est un triton pistolet, et ça c'est un mêlé aussi, enfin il crache du poison aussi. Targeting. Ok, ça c'est un triton qui sera invisible ou pas? Non, c'est un régénérateur. Lui c'est un triton qui sera invisible par contre. Si je bouge là, ok, les autres sont alertés aussi. Ok, très bien. Ça c'est fait. Il va falloir qu'on se...
Alors, comment on va faire ça? Il faudrait que toi tu le finisses au pistolet en fait. Très bien. Très bien. Et après, on va placer tout le monde en embuscade. Il y a lui qui peut tirer, ça c'est chiant. Ah, attends, fais voir un peu. Merde. Eh ben, si là on n'était pas sûr qu'il soit alerté, maintenant il l'est. Heading out. Moving to position. Got this covered. I'm on over. Parti. Ok, pas mal. Bien. L'offre, il va nous tirer dessus de loin, je pense. Ok. Ok, je crois que lui, il nous a pas vu. Ça va. Bon, on a un monsieur qui se cache. Où est-ce que tu vises exactement ? On va bloquer ce passage. Ouais, on peut bloquer ce passage là. C'est. Ouais. M'aurait étonné aussi, mais. M'aurait étonné. I've got this. Je peux pas faire grand chose là. C'est un peu le. Ah ah, c'est con hein, que tu sois aussi près de nous. Gotcha. Très bien. Bon bah du coup, j'ai envie de dire, on va te finir au pistolet. Ou par contre c'est un peu dangereux. C'est bon, tu vas mourir. Alors, on va faire ça. Il y a toujours l'icône, mais je sais, vu qu'il a bougé et tout, je sais pas si vraiment il va nous tirer dessus, je pense pas. Ah si. Bah merde, bah, j'ai appris quelque chose. Ça enlève pas l'Overwatch en fait. Intéressant. Non. Ne pas évacuer, pas maintenant. Ok, très bien. C'est pas une balle. C'est pas une balle dans le dos. Bien. Il est bon au pistolet, lui. Il va venir vers nous. Évidemment, il y a un mur. Bien. Bien. C'est pas mal comme dégâts.
Ouais, non, t'as encore du... Tu peux encore cracher du poison, donc... I've got this. Attends. Peut-être bouger quand même. Non, toujours pas. Voilà. Ok. On va s'avancer un peu. Sprinting to position. Enemy in visual range. Ok, ça c'est un œuf. Très bien. Toi, tu vas te mettre là. Ah oui, c'est la fumée que l'autre a fait. Ce qui est embêtant, c'est qu'on voit pas s'il y a des gens qui viennent par la fumée en fait. Mais bon, là c'est un mur donc ça va. Alors, le joli œuf. C'est pas un œuf de Pâques. C'est pas un œuf de Pâques. Problem solved. Très bien. Let's do this. Okay. I'm on Overwatch. All set. Du coup, il faut choisir où aller. Je dirais que le mieux, en fait, ça reste de passer par le centre, genre là. Genre comme ça. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Surtout qu'il y avait un œuf. Ok. Surtout qu'il y avait un œuf du coup, donc. Ok, cool. Five by five. Receiving, loud and clear. On va attendre moving que les now. Autres nous rattrapent. I'm here. Double time. Channel open. Heading out. Ça m'étonnerait que ça vienne. On va se mettre comme ça, faut pas tirer sur les alliés. Il serait un peu con. What's our plan? Sprinting to position. Target in sight. Un 9 sur le côté droit. Intéressant. Oh. J'arrive pas. Ok. Recharge ton pistolet. On avance. On a un 9 ici. Ah, on a du mouvement là. On va aller à droite. What's our plan? Enemy in visual range. Ouais, on va aller à droite. Moving to position. On va faire attention à là. Receiving loud and clear.
I got this covered. Très bien. Toi t'avances. On va bloquer l'arrière. I'm on Overwatch. Overwatching. Overwatching. Here comes the Phoenix. Très bien. I'm on Overwatch. Ok, c'est pas mal. C'est très militaire. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ok, très bien. Le sniper fait beaucoup de bruit. Ok. On a un ennemi ici, ça marche. On a deux ennemis ici. Donc ils nous ont pas vus, ils ont un fusil d'assaut, ça marche. What's our plan? On my way. On n'est pas vraiment avec un bon périmètre là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher là après. Après qu'on va ouvrir les hostilités. Holding position. Très bien. Already there. They're not getting past me. Très bien. Bonjour, ça va? Bienvenue. Bienvenue. Si je me mets là, il va tirer, je pense. Ah, ah, trop court. Alors. Je viens de te détruire ton... Je viens de te détruire ton arme, très bien. Ok. Bien, 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 bien. Alors, fais voir l'œuf. Il y a du monde là, je pense. I see them. Encore des œufs. Target in sight. Ouh, la vache. Ah, nous on était là. Il y a peut-être un truc là alors. S'il y a autant d'œufs. Enemy in visual range. C'est bon, voilà. Ouais. Ok, par contre j'ai un peu peur d'ici. Je crois que un doit être à droite et l'autre doit être à gauche. I'm going. Here comes the Phoenix. Ok, très bien. Alors. Ça doit peut-être être des œufs encore. D'abord faire passer un. I've got a visual. Ah, c'est encore des œufs. Alors fais voir un peu la taille toi. Ok. Faudrait s'avancer mais pas trop pour voir ça en fait. Pour voir ce qu'il y a là. Enemy contact. Ok. Ça doit être un œuf.
Bon. On est bien. On va camper ici. Il y a énormément d'œufs par contre. C'est assez violent. J'avoue que c'est assez violent. Moving now. Recharge. Faire gaffe à chaque fois. Ça a l'air bon. On va te mettre là. Je vais être honnête, je sais pas si tu détruire les œufs, ça donne vraiment de l'expérience en plus ou pas. Ok, on a un ennemi qui vient d'apparaître, qui est alerté. C'est un sniper par contre. Il est où le triton? Il est là. Ça va être un problème par contre. Be right there. Alors, fais voir un peu ta visée. On va faire visée rapide pour qu'on puisse se mettre à couvert. What's our plan? J'avoue que le mec nous a mis un peu dans la merde. Après, est-ce qu'on peut commencer les... ouverture, je crois pas. Ok, peut-être désactiver, c'est bien. Can't wait. Let's do this. Oh, bien. Faut attendre qu'il se relève bien, hop, c'est pas mal. Yes! Ah bah, il s'est bien exposé. Parce que leur animation compte aussi, hein. Tout compte dans le jeu. C'est pas, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment pas les pourcentages, donc c'est vraiment, vraiment cool. Bon. Ok. Bon, toi tu vois celui-là. Tu vois pas vraiment celui-là. Ok. Peut-être qu'on peut en tuer un quand même. Zooming in. Ouais. Ça marche. Receiving loud and clear. Ouais, ça devrait le faire. Donc celui-là de droite en premier. J'aurais dû tirer avec le canon en premier. Pour détruire l'armure. Ready to fire. Nice. Pas mal. Pas mal. Ça.
Comme ça, on a plus de mouvement. I got this covered. On a du mouvement ici. Est-ce que tu pourrais le finir? Already there. Eyes peeled. Expose un peu. Here comes the Phoenix. Ok. Ok, c'est juste un mêlée. C'est juste un mêlée, ça marche. Comms online. Je pense qu'on va pouvoir tuer le truc. Ça va être encore 6 points. Repositioning. Hostile! Tellement d'œufs. Je vais voir. Donc ça ferait toi. Plus sniper. Plus toi. Je pense qu'on peut. On peut le faire et partir. Très bien. Hop, visée rapide. Confirming target. Channel open. Targeting. Ok, bingo. Bah ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, ça va. J'ai fait toucher une fois, je crois. Juste une balle de pistolet, c'est tout. Ouais. On aurait pu faire plus d'expérience, je sais pas. Je pense pas que l'expérience augmente avec le nombre de morts. Par contre, elle va être donnée aux gens qui ont fait le plus, je crois. Genre par exemple Violetta et tout ça. Le sniper aussi qui a bien travaillé. Voilà. Donc voilà, donc ça sert à rien de rester à tuer 3000 personnes. Si vous pouvez faire la mission, faites la mission et vous cassez. Ça c'est bien. Honnêtement, c'est une bonne chose. Vous sentez pas... enfin, pas l'envie, mais j'ai envie de dire le besoin de rester dans une mission. Ni pendant rien détruit, ni pendant rien a été neutralisé, abandonné par ses habitants. Le reste de l'humanité peut pousser un soupir de soulagement. C'est un peu cher. Très bien. Fabrication, il y a ça. Bah c'est bien. Diplomatie augmente, c'est cool. C'est bien, c'est bien. 2 jours. Non, ça, ça. 2 jours. On va faire personnel. Alors, toi, tu peux faire une nouvelle classe ou alors... plus de dégâts, mais moins de précision. C'est bien comme ça peut être... dangereux. Pour les classes secondaires, pour l'instant, on va pas choisir les classes secondaires. On va... Les classes secondaires, c'est bien quand on a plein de points. Honnêtement, et il n'y a pas trop d'utilité. Quand on peut pas faire grand chose, il n'y a pas trop d'utilité à faire des classes secondaires déjà. Fais voir eux. Encore que niveau 1. Stockage 10 sur. Non, c'est pas ça que je veux voir. C'est leur expérience, je voulais voir. Est-ce qu'on peut voir leur expérience?
Début de service. Ok. Ok. C'est pas grave. En tout cas, on va continuer la prochaine fois. On va donc rentrer à la base, comme j'ai dit. On a notre base qui est prête. Avec deux stations médicales. Donc une là, et deux quartiers d'habitation. Très bien. Donc ça fait 4 points d'endurance par heure et ça fait 4 points de vie par heure. Donc, 8 points de vie par heure. Donc c'est très très bon pour se remettre. Et après on va faire deux centres d'entraînement, je pense, en tout. Comme ça, ça ferait 3 centres d'entraînement. Ça fait 2 points d'expérience par heure et là ça ferait 6 points en tout. Donc ouais, ce sera une bonne chose. Et ce sera notre base principale pendant pour le moment et honnêtement jusqu'à la fin sûrement. Une fois que les gens seront au niveau max, on les enverra autre part. Donc voilà. Je vais faire un peu le tour des bases vite fait. On regarde. Commémorative, elle va bien. Donc on a une station, on a deux stations. On a un relais satellite, c'est très bien. Aéronautique. On a le relais qui est en ligne. PHB2, on a le relais qui va être en ligne dans 2 jours. Donc c'est bien. Il y a ça là, il nous faut. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je crois que. Il me manque des trucs là. Usine de fabrication. Ah oui, on est à 2 maintenant en usine de fabrication. Donc les fabrications vont plus vite. Ouais. Dans le Tiamat. Le Tiamat, non, Manticore c'est 5 jours. Manticore c'est 5 jours. Oups, disponible. Voilà. Manticore, c'est 5 jours. Et du coup, le Tiamat aussi, je crois que ça doit être une dizaine de jours. Donc là, il sera diminué à 5 jours aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, il nous faut de la construction et des laboratoires pour aller plus vite. On a beaucoup de technologies. Honnêtement, c'est bien. On va pas commencer à l'utiliser trop, genre en l'échangeant, parce que c'est quand même extrêmement compliqué d'en avoir. C'est la plus chère, hein, honnêtement, c'est vraiment la plus chère. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. C'était une très bonne mission. Ça s'est super bien passé. On ira se reposer et on ira faire ça. Jericho va pas aimer. Jericho va pas aimer, faut être honnête. Je voulais vraiment passer les 20 pour qu'il partage en fait des informations avec nous, des recherches. Mais bon, c'est pas grave. Le début, c'est le plus chiant à passer, honnêtement, avec Jericho. Après, ça va s'améliorer petit à petit si on continue à aider tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.